Nous voici donc rendus à l'heure des bilans de l'année scolaire 11-12. Globalement, la Commission scolaire d'Haute-Rivière, on a vu notre taux de diplomation rester stable à peu près à 66 %. Toutefois, il faut noter une légère hausse chez nos garçons qui a vu son taux de diplomation après 7 ans augmenter de 2 %, alors que chez les filles, le taux est resté à peu près stable. Fait à noter, cette année, nos élèves ont très bien réussi, performé, je dirais même, à l'examen du ministère de français. Ils ont atteint un taux de réussite de 89 %, soit 9 % au-dessus de la moyenne québécoise du réseau public. Au primaire, les investissements au niveau de la pédagogie au cours des dernières années semblent marquer des points. En effet, les élèves performent toujours aussi bien, même que les résultats s'améliorent, et ce, tant en lecture qu'en écriture. En mathématiques, on note des améliorations aussi, notamment pour les compétences résoudre et raisonner. Nos élèves performent 5 % de mieux que l'année dernière. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Le maintien des investissements au niveau de la pédagogie font en sorte que nos enseignants sont accompagnés, et ce, de façon continue. Le développement est donc constant. C'est nos élèves qui en bénéficient, et par là, les résultats sont probants.